minutes de l'année 2007. L'ancien très honorable Lucien Bouchard se prononce sur l'état de la nation. Québécois, Québécoises, je tiens personnellement à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2007. Je vous la souhaite, mais je sais que vous ne l'aurez pas, car la situation au Québec est catastrophique. Comme je l'ai dit il y a un an dans mon manifeste pour un Québec lucien, et comme je l'ai répété il y a quelques semaines, on s'en va vers le mur, mesdames et messieurs. Les Québécois ne travaillent pas assez, c'est évident. Présentement, au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder le bye-bye? Non, monsieur! Lâchez les autocars, serrez la boisson, mettez vos canuts, sortez dehors, travaillez! Allez réparer nos routes, soignez nos malades, apprendre à écrire à nos jeunes, travaillez! Vous dormirez quand vous serez morts! On travaille moins que les Ontariens, on travaille moins que les Américains. Quant à moi, je prévois passer une excellente année 2007. Car puisque ma génération s'est servie dans la caisse et s'est privée de rien, mon fonds de retraite est bien garni. Sans oublier ma pension de premier ministre, prélevée à même vos impôts. Et même si j'ai toutes les solutions à nos problèmes, je n'ai pas l'intention de retourner en politique active. Je vois pas pourquoi je travaillerais pour du monde qui travaille pas. Alors, mes amis, bonne année 2007 quand même.